Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Attendez, ça se mange. Donc moi je vais bien. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Je parle pas souvent, je dis pas, voilà, je parle pas trop. Mais j'ai vu un commentaire comme quoi souvent je dis ah oui, mais bon. Ce n'est pas ma faute. Je vois des bonnes choses, mais si je vois aussi du négatif, moi je dis juste ce que je vois. Des fois je vois quelque chose de très bien et puis derrière il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas le monde des bisounours. Quand je vous dis ah oui mais et que je vois quelque chose qui est pas bon, ben, c'est que moi voilà, je peux pas broder. Je ne peux pas vous faire des guidances où il n'y a pas de trahison, où il n'y a pas de venin, où il n'y a pas de coup bas, où il n'y a pas la jalousie. Et ça existe et c'est sans arrêt et c'est sans arrêt. Donc, ce n'est pas ma faute si, ah oui, mais. Donc, si vous voulez, moi, je dis que ce que je vois. Après, comme je dis souvent, je ne suis pas Dieu. Je peux me tromper, hein, je suis honnête avec ça, je l'ai toujours dit. Moi, je dis ce que je vois. Si je vois quelque chose qui n'est pas bon, je ne vais pas le cacher pour que tout le monde soit content, que tout le monde passe une bonne journée ou non. Parce que plus tard, si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on va dire? On va me dire, ah oui, mais s'il y a... tu m'as pas dit ça, et regarde. Donc moi, voilà, je reste je reste comme je suis. Hein. Je suis brute de pomme, je suis cash dans mes propos. J'essaye de... comment dire? J'essaye de ne pas être trop dur parce que même des fois c'est pire que mais je ne vais pas voiler la vérité. Si moi un chat, je l'appelle un chat. Un gros cafard, je l'appelle un gros cafard. Si je vois un gros rat autour de vous, je vais vous dire voilà, il y a un gros rat. C'est voilà. Et encore, je suis gentil dans mes propos. Donc, je ne suis pas dans le truc où on embellit, où on fait semblant. Tout ça pour le rêve, pour faire plaisir, non. Donc, voilà, j'oblige personne à m'écouter. Moi, je ne vends pas du rêve. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Moi, je dis ce qu'on me dit. Tout simplement. Donc, je suis désolé pour la personne qui a dit, enfin, qui dit que je vois du positif, mais que, en gros, c'est dommage parce que oui, mais moi, je ne peux pas mentir, je ne peux pas enjoliver pour juste mentir et faire plaisir. Voilà. Donc, sur ces mots, je vais fermer le dossier et puis on va voir ce que je peux vous dire. Donc là, on parle, ça peut être un enfant, hein. On parle, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune homme, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il y a quelque chose, hein, on parle d'un cadeau, hein, qui arrive, donc ça peut être une discussion, quelque chose qui va être plutôt sympathique. Ça peut être aussi un cadeau matériel, mais on parle de ça, on parle de quelqu'un qui a de bonnes intentions, hein, concernant un cadeau et des démarches. Il y a des dossiers, il y a des papiers qui arrivent, c'est plutôt sympathique pour vous. Donc voilà. On parle de quelque chose, d'un cadeau et quelque chose qui va permettre
à une personne de construire quelque chose au niveau d'une construction. Ça peut être sentimental, ça peut être un cadeau professionnel, mais on parle d'un cadeau plutôt positif, hein. Donc ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais on est sur du positif, hein. Ouais, on parle de projet. De projet, je vois des personnes qui ont le projet peut-être aussi de construire quelque chose. Hein. De construire, je sais pas, ça peut être dans le professionnel. Des projets de construction, je sais pas, hein, de bâtiment, dans le travail, ça. Mais on parle de construction. Vous voyez, je vois des trucs qui vont se construire. Alors, ça peut être dans le travail, hein, des personnes aussi qui vont changer des choses à leur façon de bosser. Hein. Ça peut être des gens qui travaillent à domicile, ça peut être des plombiers. Ça peut être plombier, ça peut être des mécaniciens, ça peut être des électriciens. On parle, ça peut être des personnes aussi, vous voyez, qui viennent chez vous et qui vous savez, vous avez un problème, eh bien, qui font du bricolage, vous voyez, bon, je sais pas, vous avez des soucis, peu importe, ils sont un peu polyvalents. Bon, on parle de ça, de choses aussi comme ça, il va y avoir des changements, hein. J'ai l'impression aussi qu'il arrive des changements dans des foyers. J'ai l'impression qu'il y a des projets de rénovation dans des logements, des projets de rénovation par rapport à une maison. On parle aussi de projets de changement. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont construire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont déménager et déménager d'abord et après construire une maison. Voilà. Construire une maison ou acheter une maison, rénover une maison, mais on est sur ça. Il y a des projets, d'accord? Il y en a, je vous dis, ils ont beaucoup de choses à faire avant de faire des changements de maison, des rénovations. Bon, moi, de toute façon, on est sur du changement et beaucoup de choses à faire. Ok? Donc, j'en vois, ils courent dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses, hein, bon. Il y a un changement, ouais, il y a un changement. Je vois un changement, je vois une signature, je vois un déménagement. On va signer. Je vois quelqu'un qui déménage, qui a le projet de déménager. Il y a une signature. Il y a un changement dans une relation sentimentale. Il y a une signature. Il y a aussi pour certains un changement. Il y a une grossesse et une signature. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le feu. Ça chauffe. Et on parle d'ailleurs que cette signature, on va se sentir comme une hirondelle, on va se sentir en paix, on va se sentir fouf. Voilà, ça arrive. On parle d'un ami, on parle d'un ami, on parle d'amitié, on parle qu'on va se sentir plus léger, on va souffler, on va se sentir apaisé. On parle encore de projet. Je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des déménagements, il va y avoir des rénovations. Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Il y avait quelqu'un qui, pour moi, était sur une hésitation. Donc ça peut être un homme ou une femme qui pouvait avoir un côté, je vous dis, enfant, un côté pas arriver à prendre de décision dans sa vie.
Hein? Mais c'est vrai qu'on parle de ça, hein, d'hommes qui, concernant leur vie sentimentale, concernant le sentimental, concernant des projets artistiques, créatifs, concernant, enfin, de manière globale, ils étaient, on parle de personnes où du mal à prendre des décisions. Hein. Ça peut être aussi concernant une situation avec un enfant. Hein. Après, ça peut être aussi concernant un frère, un cousin. Mais bon, on parle de beaucoup d'hésitation d'une personne et une autre personne plus jeune. Hein. Bon. Mais pour moi, on parle qu'on va faire un deuil. Hein. Pour certains, pour moi, on parle d'hésitation qui remonte à plus d'un an. Hein? On a du mal à avancer et à faire des choix. Hein? Il y a donc là, on parle de ouais, d'hésitation, hein, de comme si on avait fait un deuil concernant, je sais pas, certains projets, hein, de sortie. J'ai l'impression qu'on a. Je sais pas, c'est comme si on avait fait. On avait eu une hésitation. Hein. On fait un deuil sur ces hésitations. Donc je vous dis, ça peut être sur votre vie sentimentale. Ça peut... Mais on parle d'un froid, de quelque chose où on est constamment hésitant. Vous voyez? On parle du travail, on ne sait pas. Concernant les sorties, ben, on ne sait pas, on hésite. Il y a comme si on faisait un deuil sur des hésitations. Et puis c'est bizarre. On parle que vous avez fait un deuil sur une situation, mais ensuite ça revient. Il y a encore une hésitation. Vous voyez, sur un projet qui peut être des sorties, ça peut être une invitation. On parle que vous êtes encore, ça fait un moment, dans des hésitations par rapport à des choix, vous voyez? Et le fait aussi des déplacements, de la route, concernant, je vous dis quelque chose, ça peut être des sorties entre amis, ça peut être une indécision à faire de la route pour aller fêter quelque chose chez quelqu'un, mais il y a ce truc, constamment, ça revient, hésitation, hésitation. Hein, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et on parle que... Vous y pensez énormément, hein, tout ça. Voilà, et vous y pensez, vous y pensez. Mais il y a peut-être un truc aussi où il faut que vous fassiez de la route. Vous voyez? Et ça pose problème. Voilà. Et on parle que vous posez beaucoup, beaucoup de questions, toutes ces indécisions. Voilà, vous êtes en questionnement, hein, face à vous-même, à vos pensées. Hein, vous êtes seul face à vous-même. Il y a quelque chose quant à un éloignement. C'est comme si vous aviez le cœur coupé en deux. Hein. Vous pensez à quelqu'un qui peut être loin de vous aussi. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est loin, quelqu'un à qui vous êtes attaché. Hein. Donc on parle d'une femme. Voilà. On parle de penser.
par rapport à une femme, un homme, hein. Et c'est, y a la tristesse dans les pensées pour moi réciproques, hein, ou qui est déjà là ou qui arrive. Et c'est pas simple. Voilà, on parle vraiment de ça, hein. D'une situation qui est, qui n'avance pas ou qui n'avancera pas, quelque chose qui est bloqué. Hein. Du coup, on parle de femmes et d'hommes, ben leur vie elle est bloquée. Hein. Parce que peut-être que vous pensez à un homme ou à une femme qui hésite ou qui hésitera dans sa vie. Du coup, vous êtes bloqué dans ses pensées. Dans ses pensées pour un homme, une femme. Je pense que c'est un peu mutuel. Hein, mais c'est quelque chose qui n'avance pas. Vous voyez? Alors, ben, c'est très compliqué. Et on parle de femmes ou d'hommes, mais moi, pour moi, c'est plus la femme, là, qui, ces femmes-là, veulent une, quelque chose ben, d'équilibré dans leur vie, mais il y a quelque chose qui est bloqué, pour certaines. D'accord. On parle aussi de... que c'est pas évident, il y a quelque chose où peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau de contact avec quelqu'un, hein, quelque chose qu'on n'arrive pas à équilibrer au niveau de des échanges avec cette personne, hein. Il y a aussi comme si peut-être vous avez eu déjà des ruptures avec cette personne par le passé. Hein. Ensuite, on me parle que dû à quelque chose qui était bloqué, qui n'était pas stable, il a dû avoir peut-être une coupure. Ou alors il va y avoir, hein. Dû à quelque chose ou trop d'hésitation. Du coup, c'est comme si, ça peut être vous, hein, ça peut être la personne, comme s'il arrivait à un changement. Voilà, un changement. Un changement pour être plus stable dans sa vie, donc voilà, hein. Il y a quelqu'un aussi qui quand tu as des contacts, ça peut être dans le professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Hein. Donc on parle que il y a des changements qui arrivent, mais ces changements, ce ne sont pas faciles à faire. On parle de projets, hein, pour être plus équilibré, que ce soit dans le pro, que ce soit dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a des changements, il y a des choses qui arrivent, ça ne va pas. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. On parle d'un changement. Déjà, avec des liens qu'on a, hein, ça va pas. J'ai l'impression vraiment que vous allez aller sur des changements, des contacts là, que vous pouvez avoir dans votre vie privée, comme par rapport au travail. Pour moi, ça va pas. C'est très lourd, c'est très pesant. Hein. Donc pour moi, on parle de changement. Pour avoir une vie plus stable. Donc pour moi, il y a des changements dans les liens en privé, dans vos contacts. Il y a aussi des choses qui vont changer au niveau du travail parce que c'est très lourd. Et des changements sentimentaux. Mais il y a un truc autour de vous. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose. Faites attention lors de vos changements. Changement de... Faites attention. Changement pro,
changements dans votre vie sentimentale qui arrivent, mais faites attention, d'accord? Il y a un état de santé aussi, hein, je vous le dis. Donc, pour moi, c'est très très lourd. Il y a de gros changements et je vois vraiment des nouvelles aussi. Par rapport à ça, je vois des contacts, des nouvelles. Vous allez en parler. Y a des démarches aussi de santé chez un médecin, quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être même un gynéco, ça peut être une visite au docteur, mais c'est pour moi, c'est pas lourd. Donc il y a des sous. Vous allez avoir des dépenses par rapport à ça. Il y a aussi des nouvelles qui arrivent concernant de l'argent. Vous allez avoir des nouvelles concernant une somme d'argent. On parle de grosses sommes d'argent d'ailleurs. Quelqu'un aussi qui a la même mise sur de l'argent. Quelqu'un qui a la même mise vraiment sur de l'argent, beaucoup d'argent, qui doit tout contrôler sur de l'argent. Il y a pas mal d'argent. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout épanoui dans une relation, qui se sent bloqué, ne peut pas sortir comme il ou elle veut, même si cette personne a envie de faire des activités, des sorties, c'est compliqué, hein. Je vois vraiment quelqu'un qui a la même mise sur de l'argent. Et je vois un autre homme qui a envie. Alors, vous connaissez déjà cette personne, vous allez la rencontrer. Mais qui a envie d'un engagement avec vous. Et il y a quelqu'un qui contrôle de l'argent. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. D'accord? J'ai l'impression aussi que vous allez avoir une discussion avec quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui a une origine différente de vous, hein. C'est quelqu'un qui veut ou qui voudra vraiment se rapprocher de vous. Qui va tout faire pour ça, hein. Qui veut quelque chose de sérieux, hein. Voilà. Donc je vois ça, hein. On parle que j'ai l'impression qu'il y a une femme par rapport à cet homme. Cette femme, ben franchement, elle est fatiguée, quoi. Elle en a marre ou elle en aura marre de, à la limite, d'essayer de discuter avec quelqu'un. Voilà. Moi, je vois des femmes, en tout cas, qui en ont marre, voilà. Qui en ont marre à chaque fois d'essayer de construire quelque chose. Voilà. Ça fatigue. Et ces femmes, pour moi, il y en a certaines, en tout cas, qui en ont marre, hein, je vous le dis. Voilà. Qui en ont marre qu'à chaque fois, on les prenne pour des imbéciles. Qu'on les manipule dans les relations, qui en ont marre des coups de venin de certains hommes ou de certaines femmes. Voilà. Donc, ces gens-là, que ce soit des hommes ou des femmes, en ont marre. Du coup, on parle que, ben, dû à que ça saoule tout ça, on parle de femmes et d'hommes qui hésitent, si vous voulez, à discuter. Ne serait-ce qu'à discuter. Et à
juste à dire, je sais pas, je t'aime bien, ou je sais pas, ou je te trouve mignon, ou je te trouve mignonne, ou vous voyez, voilà. On se méfie, ça fatigue. Donc on parle de femmes et d'hommes qui hésitent au niveau de ne serait-ce que du petit rapprochement. Vous voyez ce que c'est? Bon. Et hésitent même à s'engager, à se réengager. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ah oui, c'est ça. On parle que ces femmes et ces hommes sont très hésitants ou à faire une nouvelle rencontre due à des choses du passé. Ils sont très hésitants à juste à se rapprocher, à dire oui, franchement, tu me plais beaucoup, ou oui, je t'aime, ou oui, machin. Je préfère vous le dire, on me le dit. Hein. On parle que ce sont des personnes qui ont souffert, hein, voilà, par le passé. Donc on parle de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui vont vouloir rester maître de leur navire, maître de leur vie, et gérer leur quotidien. Vous voyez? Bon, on parle de ça. J'ai l'impression aussi qu'on parle d'une rencontre. Peut-être que vous allez hésiter quant à deux, trois. Vous pouvez, il y en a, ils ont plusieurs contacts. Hein, il y en a, voilà. Hein, ils parlent à l'un, à l'autre. Il y en a. Hein, bon. Mais on parle de toute façon que on va être vachement hésitant ou hésitante à choisir avec qui on veut être. Hein. Voilà. J'ai l'impression aussi que autour de vous, vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes qui vont vous observer, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Je vois aussi quelqu'un qui va hésiter longtemps. J'en vois certains qui vont reprendre leur indépendance. Il y en a qui doivent être engagés et qui on leur fait des coups tordus. Il y en a, ils vont se séparer. Vous voyez? Il y a une grosse séparation dans certains couples. Il y a des coups de venin, il y a un état de fatigue, il y a, voilà. Il y en a, il y a des séparations. Après, on parle qu'il y a un espoir. Il y a vraiment un espoir d'avoir une vie plus libre dans une relation sentimentale où vous aurez quand même voilà, plus de liberté parce qu'il y en a, j'ai l'impression que c'est compliqué. Hein. Il y en a aussi, il y a quelque chose au niveau du financier. Mais on parle de quelque chose où... l'impression, on parle de... Là, j'ai deux hommes. Un espoir vraiment pour eux d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée, hein, même au niveau du travail, au niveau de leur argent. On parle vraiment de stabilité. Hein. On parle du domicile. Hein, on parle d'argent qui arrive, de stabilité. Il y a de l'espoir sur votre foyer. Hein. On parle aussi concernant votre domicile. On parle de froideur, de beaucoup d'hésitation si vous voulez, dû à des disputes ou des ruptures hein, dans le foyer pour certains. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation assez froide.
où certains hésitent dans des discussions, des rapprochements. Ouais. Donc, il y en a peut-être que ben, vous êtes célibataire, mais que vous, ça va pas, trop d'hésitation, bing, des disputes, éloignement. Après, pour se rapprocher, c'est difficile. Bon, après, on parle aussi de personnes qui peuvent aussi être hésitantes parce que sont engagées avec quelqu'un aussi. Hein. Bon. Et des disputes avec la personne avec qui on vit. Mais on n'avance pas. On ne fait pas de choix. Hein. Donc. Ah. En tout cas, concernant votre domicile, au niveau financier, d'évolution, il y a vraiment un espoir pour vous. On parle de rentrée d'argent qui arrive. Hein. On parle vraiment qu'on fait attention hein, aux finances, à l'argent. Il y a un cadeau aussi qui arrive dans votre foyer. On parle que ce cadeau, ben, on s'y accroche. Hein. Il y a quelque chose hein, que peut-être que vous désirez qui va arriver. On parle de toute façon d'une réalisation. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent à domicile. Hein. Mais il y a une belle réalisation professionnelle et sentimentale. On parle aussi qu'on fait attention à l'argent, on fait des économies. Hein. On parle d'un accord aussi. On parle d'un accord concernant votre évolution. Hein. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être les deux, mais il y a des accords qui vont être conclus hein, dans au domicile. Hein. Un accord. On parle de poignée de main, d'accord. On parle de soutien hein, au niveau de l'argent dans la famille pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de pas mal pour vous. Hein. On parle aussi, ça peut être quelqu'un aussi de votre famille qui vous soutient. On parle de quelqu'un de plutôt jeune. D'accord, on va se réaliser. Hein. Oui. Parle de nouveau départ pour vous. Vous allez vraiment vous réaliser. Il y a vraiment un coup de chance pour vous. C'est plutôt pas mal. Hein. Parle d'un homme. D'un homme qui, pour moi, est d'âge mûr. Ça peut être un homme qui est marié, qui est bloqué dans sa vie. Ça peut être aussi le père ou le grand-père de quelqu'un qui est coincé dans sa vie. Hein. Mais de toutes les façons, on parle, pour moi, il y a vraiment un espoir. Pour moi, ça s'arrange. Il y a une histoire d'argent aussi. Il y a quelque chose qui va tourner à l'avantage de cet homme qui a un âge mûr par rapport à deux hommes aussi. Hein. Mais pour moi, ils ne se connaissent pas. Ou alors pour le travail. Ouais. On parle de contact pro aussi. Hein. Il y a comme si il y avait un coup de bol qui allait arriver. Ouais, un coup de chance. Hein. Qui va tourner positif pour cet homme qui a plus de 50 ans. Concernant un voyage en avion, en bateau. Hein. Ouais, ça va tourner en sa faveur. Hein.
très positif pour cet homme-là. Ouais, on parle de quelque chose de plutôt positif, hein. Je vois aussi, vous avez quelqu'un qui a hésité longtemps. Hésité longtemps, beaucoup de disputes avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un rapprochement. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir à votre domicile pour se rapprocher de vous, hein. Je vois quelqu'un qui vient. D'accord. On parle aussi de cet homme-là. Pour moi, je vous dis qu'il a plus de 50 ans. Il peut avoir 55, 60, 65, même plus. Mais je le vois à une période de beaux jours prendre une décision de faire un voyage. Il va pas hésiter, hein. Je le vois vraiment faire ce voyage. Ouais, il fait ce voyage, il prend la décision. D'accord? On parle aussi de changement. En lien, je vous dis, parle d'un jeune homme ou d'un enfant. Il y a un changement qui arrive. Un changement par rapport à quelque chose en lien avec une origine étrangère. Les coquillages, quelqu'un qui n'a pas la même origine. On parle de quelqu'un qui va prendre une décision de changer déjà quelque chose par rapport à cette personne de sexe féminin qui ressort jeune. Allez, max 30, 35 ans. Max, il y a un changement. Changement, déménagement, quelqu'un qui déménage. On va vouloir faire un cadeau. Hein. Il n'y a plus d'hésitation, on sait ce qu'on veut. D'accord? On parle aussi d'une femme qui va faire un deuil parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très fatigantes dans son esprit. On travaille énormément, on s'accroche, on veut se réaliser. Donc je vois aussi une femme qui va prendre une décision, hein, pour arriver à évoluer dans sa vie. Cet homme-là, qui a plus de 50 ans, pour moi, va prendre une décision, va faire un voyage. Franchement, je ne le vois plus du tout hésiter. Il veut réaliser quelque chose, il prend une décision concernant une signature. Il a un truc dans sa tête. Ok. Il y a une signature, pour moi, je vois un accord. Un accord, il y a un accord, pour moi, il y a un pacte ou un mariage. On va trouver un accord, il y a un pacte ou un mariage. Ok. Il y a pour moi aussi, pour certains, on parle d'un changement. Il y a un déménagement, une signature et une fête. Cet homme-là, je le vois vraiment, let's go, prendre des décisions. Ça peut être, tout dépend de son âge, hein, parce qu'à 50, 60, il y en a qui travaillent encore. Mais c'est comme si il n'y en avait plus d'hésitation, comme si on allait se lancer sur quelque chose ou peut-être on a hésité longtemps de direction, mais il y a une décision. On n'hésite plus. Il y a une décision parce que moralement on en a marre, émotionnellement on en a marre aussi, on est fatigué, il y a un truc affectif où on va plus hésiter aussi. D'accord? Et on se lance. Alors, il y en a, ils en ont marre. Il y a quelqu'un, il y en a, ils vont prendre une décision. On va régler une décision concernant de l'immobilier. Je les vois signer. Ça arrive. D'accord? Il y en a aussi qui vont prendre une décision. Affective. Il y a une signature. Ah oui. Oui. Ah ouais, ils sont pas bien affectivement. Ils vont vouloir avancer sentimentalement, hein.
Ils ont une colère là. Ouais, je les vois en colère. Affectivement. Ils sont en colère affectivement par rapport à un lien, quelque chose qui doit les perturber. Ils sont en colère. Il y a des papiers aussi qui vont régler. On parle d'une femme qui a plutôt les cheveux clairs aussi, une qui a les cheveux foncés. Il y a un gros procès. On parle d'abus de confiance pendant ce procès. De mensonges aussi. Il va y avoir beaucoup de mensonges. Ouais. Pour cet homme, je vous dis, d'âge mûr, on parle de changements qui arrivent dans sa vie. Des changements plutôt positifs. On parle de soleil aussi pour cet homme. On parle de renouveau. Il y a des choses plutôt positives qui arrivent. Il y a un changement aussi plutôt positif par rapport à une amitié. On parle de lenteur alors, par rapport à ces changements, par contre. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va être retardé pour faire un voyage, mais c'est pas celui qui a plus de 50 ans, c'est non. Quelqu'un doit être autour de vous. Il va avoir un retard par rapport à un projet de faire un voyage. Mais ça va venir. Il y a aussi. Des changements qui arrivent, une prise de décision. J'ai l'impression qu'il y a des choses à régler au niveau d'un ou un logement ou une maison. Des rénovations, beaucoup de choses à rénover. Ça peut être aussi une voiture, je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Tout ce qui est mécanique, pas mal de rénovations aussi. Pour pouvoir aller sur un changement, il y a un lien de l'étranger. Quelqu'un qui va prendre une décision. Il y a aussi quelqu'un qui pense énormément, qui hésite beaucoup dans les pensées, à dire certaines choses à une personne. J'ai l'impression que ça perturbe, ça tourne et ça vire. Et j'ai l'impression que les pensées sont en train de changer. Et j'ai l'impression que on pense vraiment à, pour certains, à un nouveau départ avec une personne. Vous voyez? De nouveaux horizons. J'ai l'impression qu'on pense aussi à aller dans une ville pour rencontrer une personne. À parler à cette personne. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bibi 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 et je vous dis à bientôt. Bye bye.